Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble la dernière commande de DVD que nous avons reçue. Alors, il s'agit de documentaires pour adultes et de films et dessins animés pour enfants. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Le Peuple Loup, un dessin animé qui nous plonge dans l'Irlande au temps de la magie et des superstitions. Robin, 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, elle rencontre May, une petite fille qui est petite fille le jour et louve la nuit. Et désormais, pour Robin, la menace ne vient plus des loups, mais elle va venir des hommes. Donc, c'est un dessin animé tiré de contes et légendes irlandaises et qui est un récit d'aventure, une ode à la nature et à l'amitié. Et il a reçu de nombreuses récompenses en 2020-2021. Bigger Than Us. Voilà un documentaire sur un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit de la protection de la planète, qui va nous faire rencontrer Melati, une jeune Indonésienne qui, depuis qu'elle est toute petite, combat la pollution plastique dans son pays. La réalisatrice, Flore Vasseur, lui a demandé d'aller elle-même à la rencontre de jeunes qui, comme elle, se sont levés dans le monde entier avec courage et détermination pour réparer notre planète. Voilà un très beau film qui donne de l'espoir et surtout l'envie d'agir. Ensuite, nous avons Le Prince Serpent, dessin animé français qui regroupe en fait trois courts-métrages et qui nous fait voyager en passant d'une forêt indienne à une cité royale antique et qui nous fait passer aussi par de somptueux paysages de la banquise. Donc ces trois contes mettent en valeur l'intelligence, la tolérance et la simplicité. Donc on découvre le court-métrage « Mille pattes et crapauds », « Celui qui a deux âmes » et « Le prince serpent » qui donne le titre au DVD, chez Arte Éditions et pour les 10-12 ans. Alors sur un sujet qui fait un peu tristement écho à l'actualité, voilà un docu-fiction bouleversant qui nous immerge dans la dernière guerre de l'Italie fasciste qui envoie ses hommes sur le front russe. Donc ce film mêle des archives privées et officielles ainsi que des journaux intimes et il a eu une mention spéciale du jury au Festival du cinéma italien d'Annecy en 2020. Alors ensuite nous avons un documentaire adulte, Joséphine Baker, une icône française au Panthéon, première artiste noire célébrée en France, héroïne de la résistance et militante antiraciste. Joséphine Baker, décédée en 1975 à l'âge de 68 ans, a fait son entrée au Panthéon le 30 novembre 2021. Donc ce documentaire, qui est riche d'archives de l'INA, nous permet de retrouver l'artiste en interview, en meneuse de revue, en chanteuse, en actrice et en résistante. Un gros succès au box-office l'automne dernier, voilà Le Loup et le Lion de Gilles Demestre. Qui nous conte une belle histoire d'amitié entre deux prédateurs qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais que les hasards de la vie vont faire grandir ensemble et devenir inséparables comme des frères. Voilà, un film vraiment à regarder en famille par le créateur de Mia et le Lion Blanc, Le Loup et le Lion. Ensuite, un autre documentaire adulte, Les petits secrets des grands tableaux. Donc c'est une collection qui explore l'histoire de l'art de manière inhabituelle en donnant vie au tableau. Grâce à l'utilisation du numérique, on pénètre au cœur de la toile où les personnages, les objets et le décor s'animent. Donc comme dans chaque volume de cette collection, on explore quatre tableaux de grands maîtres. Chez Arte Éditions, donc gage de qualité. Et pour finir, un dessin animé pour les enfants à partir de 4 ans, Ma mère est un gorille, qui nous a beaucoup séduit parce que c'est une très jolie histoire d'adoption singulière, teintée d'humour, de tendresse et de tolérance, puisque cette petite fille que vous voyez sur la jaquette va être adoptée par cette gorille. C'est aussi une adaptation d'un roman de Frida Nilsson, qui est considérée comme l'une des auteures les plus talentueuses pour la jeunesse dans son pays. Voilà, si vous voulez réserver tous ces superbes DVD qui seront prochainement mis en circulation,
N'hésitez pas à les réserver sur le catalogue en ligne. À bientôt.